Ben salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la démo de Drillcore. Je tombais là-dessus et je me suis dit, oh, il faut trop que je vous montre ce jeu, il a l'air trop cool. Ça me fait beaucoup penser à Dome je sais plus quoi. Voilà, je sais plus le nom. Qui est un roguelike où on creuse des trucs dans Under the Dome, je crois, tout simplement. Non, ça c'est le nom d'une série. Ça m'y fait beaucoup penser, mais avec un peu plus de gestion. On va miner. Et il y a un cycle jour-nuit, et quand on mine, enfin quand c'est la nuit, après ce qui se passe c'est qu'il y a des ennemis qui vont arriver par en haut. Donc bah là on va pouvoir commencer à miner le début. Et on a des petites teams, et ça c'est cool, ça fait que c'est pas à nous de le faire. Dans le jeu auquel je fais allusion, dont j'ai pas le nom, eh bien c'était à nous de miner, c'était un peu casse-pied. Là on va, on va utiliser les personnages qu'on a. Sachant que... Ah, attendez, je l'ai fait miner. On a un qui mine, on a un soldat qui est là pour nous aider, nous protéger, et on a un mec qui est là pour récupérer les ressources. Alors, ce qu'on va faire... Iron Barracks, on va faire ça. Ce qui va nous permettre d'aller chercher un autre mineur. Et on va augmenter la vitesse, s'il vous plaît. Hop, voilà. Bien évidemment, en minant, on va tomber sur des ennemis. Donc, il va falloir faire attention, c'est pour ça qu'on a le soldier. On essaye de récupérer les ressources qu'on a en haut à gauche. Et pour les attaques qui vont arriver, on peut mettre des tours. Je vais en mettre une ici, une là. Qui vont nous protéger. Iron Factory Protection. Ok. Et on va faire celui-là, les trucs de base. Très bien. Ici, on va faire un soldat en plus pour le début. Histoire de se préparer. Voilà, il y avait une bestiole. Donc ils ont tapé dessus, très bien. Et on va, faudrait qu'on fasse un autre mec pour aller chercher les trucs qui tombent, parce que lui, il est tout seul pour le moment. Ok, ça récupère des ressources. Ah oui, en cliquant dessus, en fait. Ok. Technology found, open up, access to construction. Ok, on va pouvoir récupérer... Roquette, turret, booster, on va prendre ça. Pour le moment, je me suis pas trop penché sur les différents upgrades, donc je fais des trucs un peu à la YOLO, mais... Ici on va pouvoir upgrader, on a plusieurs branches bien sûr, mais en gros on va upgrader les workers, les déplaceurs et les soldiers, donc c'est plutôt cool. Hop, la première nuit va pas tarder à arriver. Active, ok, là on récupère la ressource, trop bien ce truc, j'avais pas fait ça à ma première game. Ability building, okay. Je sais pas ce que ça fait mais c'est construit. On a 7 sur 7, ok, donc on a 3 mecs qui creusent. Ça, il y a une bestiole là-dedans. Ça peut être intéressant de l'ouvrir. Ah, attends. Vite, remonter. Ok, parfait. C'est ça allait nous faire chier. Voilà les bestioles. Ok. Ok, nice. Journée suivante. J'ai eu du bol de bien voir le truc, parce que le ver de terre qui passait, ça allait pas être le fun, hein, clairement. Ok, comment on... Drone Station, ça peut être intéressant. Je sais pas comment... C'est où que ça se met pas là, ok. Là, peut-être, Drone Station. Ouais. Ok. Là, on a des upgrades possibles. Non, pas encore. Pas encore, donc on va attendre. Comment j'upgrade le bâtiment? Je peux peut-être pas dans la démo. Hop. Alors. Increase the speed of worker. Speed of mining speed, ok. Vas-y, on augmente leur speed. Maniez-vous le fiac, s'il vous plaît. Là, on récupère. Très bien. Ça, c'est vraiment bien comme. Shield ray, slow. Et dès qu'on a récupéré 4 ressources comme ça, là, je sais pas exactement où elles sont là-dedans. Ah, là, il y a un ennemi. Dès qu'on a. Pas du tout. Dès qu'on a récupéré 4 ressources, eh bien, on peut avancer. Ok, plutôt pas mal. Ah oui, c'était ça le truc que je cherchais avant. Permet de tirer sur les ennemis, je crois. On va voir. Je surveille qu'il n'y ait pas un ver encore qui arrive. Hop. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Mining speed. Yes, let's go. Ok, parfait. Ça meurt. On arrive à la fin du deuxième jour. Ce serait bien que les... ok, remontez vite. Ce serait bien qu'ils restent... qu'ils se soignent les autres, mais je crois qu'on peut pas les soigner. Alors si je fais ça ici là, zip. Ça a fait quoi? Ça a rien fait. Donc, ça fait quoi en fait surtout? Parce que je clique mais il se passe rien.
Bon bah écoute, au boulot les mecs, hein, s'il se passe rien. Ok, 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 ok. Là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va upgrader leur PV, hein. Ça a l'air d'être une bonne idée. On en a eu 3 sur 4 des trucs. Ok, donc on va pouvoir continuer. Bientôt, ça va nous faire avancer. Ok, là, on prend le dernier. Damage fait par les guards, ça peut être très intéressant. Qu'est-ce qu'on a comme bâtiment? Ouais, il y a toujours ça qui m'intéresse, là, qui pourrait faire un petit drone de combat, j'imagine. Parce que si vous avez plus de soldiers, bon, grossièrement, vous êtes dans la merde, hein, parce que y a que eux qui se battent. Voici la tordonne carrière. Après, ça nécessiterait de prendre le temps de tout lire. Bon, on va éviter. Ok, très bien ça. Mort, but de mort. Ah oui, c'est qu'en fait, pour avoir un truc level 2, il faut reconstruire le même bâtiment. Est-ce que si je fais ça, ce serait bon? Ouais, ok. Mais en fait, j'ai pas beaucoup de place. C'est pas fou quoi, comme j'ai un mec qui est mort. J'ai deux mecs qui sont morts, ok, super, génial. Ok, 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 alors attends, il me faut quoi? On va faire un soldier, hein, monsieur. Ok, l'autre est presque dead. Et on va rajouter un mineur. Okay. Machine gun, turrette. Ok, faudrait vraiment que je fasse le truc de drone. Pour me rendre compte si c'est bien ou pas. Hop, voilà. Ok, l'autre s'est fait tirer dessus, il a plus de vie, putain. Ah là, il y a le... Hop, remonter, remonter, remonter. Yes, très bien, très bien, très bien. Click on the construction button to build new level. Ouais. Hop, ça envoie les drones. Ok. Et là, toujours rien. Ok, 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 ok. On va se calmer, je peux construire pas du tout. Ok, ça sent pas bon, hein. Ça sent pas très, 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 très bon. Ah, et si je clique là-dessus, peut-être que ça va les mixer en un seul. Ok, c'est bon, ça dégage, très bien. Ça, c'est la pierre qu'il me faut, je crois. Ou c'est un ennemi, je sais pas. Je sais pas du tout. Il me reste des mineurs? Ouais, bah, bosser en fait s'il me reste des mineurs. Hein. C'est pas ce que vous attendez. Ok. Ah, un étage en plus. Oh putain, excellent. Alors attends. Increase mining speed, ok. Increase speed of worker, ok. Ouais, en fait, c'est les mêmes upgrades. Y a pas de. Ok. Y a pas de truc foufou. Et là, ça va être pareil. Ouais, donc en fait, faire un autre truc comme ça, là, qui mine, c'est hyper intéressant. En vrai. Même en fou, hein, d'ailleurs. Attends, on commence par faire ça. Oui, c'est celui-là. Hop. On a toujours pas trouvé la ressource qu'on cherche. Ça m'emmerde un peu. J'aimerais bien qu'on avance avant la prochaine nuit. Putain, ils minent si lentement, les mecs. Et ça, ça mine pas. Ou alors, ça le fait en x2 parce que... Je sais pas. Ah ouais, mais il faut que je fasse un autre truc comme ça, en vrai. Attends. Ça coûte trop cher en ressources. Ou alors, il faut qu'il soit à côté. Et c'est de la merde ce que j'ai fait. C'est pas impossible aussi. Oh, je sais pas ce que c'est. Merde. Ah bah... Les deux sont morts. Ouais, les deux sont morts, ok. Super. Efficace, hein, les mecs. Hein. Ok, 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 on remonte, on remonte, on remonte. On remonte. Hop, on prépare déjà le mining de la fois d'après. Le mining! Je comprends pas comme, pourquoi, ça pourquoi il se passe rien quand je fais ça, mais ok. Pour le moment, ils me vont bien, hein, les deux toiles là. Heureusement, au début, ça va être bien. Mais voilà, le problème c'est qu'elles ont une portée quand même. Là j'ai l'air con quoi. Heureusement ça tire pas sur mes piétons, j'ai pas l'impression, non. Ok, 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 ok. C'est le même bruit quand vous avez les travaux à côté de chez vous. Pouette, 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 pouette. Ah oui, mais il me faut des trucs rouges, mais j'en ai, ça tombe bien. Putain, mais il est où le truc qu'on cherche, en vrai hein.
celui-là, hein. Oh là, qui est ce qui est mort? Un mineur, ok. Allez, va miner, Roger. Worker speed, allez, go. Là, il y a quelque chose? Non, ok. Allez, on avance. Peut-être faut remettre une autre tour. Hein. Peut-être faut remettre une autre tour. C'est pas ça là, peut-être? Laser corrector, par exemple? Donc le ver de terre est merde. Et merde. Il passe à chaque fois qu'il y a... En fait, à chaque début de nuit. Poète. Ça tire. Ah, j'ai pas de ressources pour faire une nouvelle fois le... Ah, et là, ça a marché. Ok. J'ai pas compris ce que ça a fait, mais d'accord. Hop, les drones, là, ils sont intéressants. Vas-y. Très bien. Mais tu vas peut-être me miner ça à un moment aussi. Ah, ça j'ai assez de merdier. Allez hop, on y va. Donc là, grossièrement, vas-y, roquette. Écris roquette, on prend roquette. Donc on va rappeler tout le monde. Et ça enclenche automatiquement la nuit suivante. C'est vraiment la question, hein. Je comprends pas. Là, ça a marché encore une fois. Ah putain, je dois cibler mes trucs à moi. Débile. Je perds de la vie, hein. Attention. On va envoyer les drones. On perd beaucoup de vie. Ok. Très bien. Hop, vas-y. Tic-tic-tic-tac-tic-tac-tuc. Ok, et là. On descend. Parfait. On va avoir des upgrades qu'on va pouvoir débloquer entre les vagues. Ah, sachant que là, vous voyez, c'est un peu plus haut maintenant. Entre les vagues, enfin, entre les games. Et typiquement, que les soldiers, ils puissent attaquer les mecs qui descendent et tout. Je trouve ça assez chouette. Qu'est-ce qu'on a comme nouveau truc? Active nighttime. Ok, donc ça, c'est que des trucs d'activer la nuit, ok. Active daytime, ok. Ça, faudrait que je le fasse peut-être. Si, attends. Hop, je sais pas ce que ça fait. Ah putain, ça doit scanner ou je sais pas quoi, non? En tout cas, j'ai une compétence active ici, maintenant. Très bien, parfait. J'ai un bruit de mec qui est mort, non? Ouais, qu'on vous entend pas tuer des gens chez nous, là? Non, non, pas destroy. Un autre mineur, stop. Et, trop cher. Ok, la nuit se rapproche. Voilà, ce sera mieux quand même de chaque côté. Ok, on va remonter. J'arrive de plus loin, forcément. Allez, ça se passe bien, la défense est plutôt bonne. La défense est plus simple que dans l'autre jeu dont je faisais la comparaison. Vraiment, je trouvais que c'était très galère au tout début du jeu. Là, ça se passe pas mal du tout. Ok, nice. Allez, on y va. Ah oui, j'ai pas besoin de remonter, en fait, je clique juste dessus. Oh, c'est bien ça. C'est bien ça, les gars. Le truc, c'est qu'on met vite la vitesse 2, et je trouve que comme la vitesse 2, elle donne l'impression que c'est la vitesse normale du jeu, t'es là, bon, bah, y a pas vraiment besoin d'aller plus lentement. Atomic Turret, Mini Drill, Launcher, ok.
Et si là on fait l'autre, je peux pas. Okay. Bah donc je me ferai. C'est un grenade launcher. Beaucoup d'équipements de combat pour des combats qui sont pour le moment pas très compliqués. C'est pas grave. Mais bon. J'ai la baraque, s'il me faut. Ah oui, 5, putain. Ou alors. Qu'est-ce que c'est, All Worker? Mining speed, ça peut être intéressant. Et là, il m'en faut 4 de plus, ok. Ok. Ah oui, donc ça, c'est quoi si je fais ça par exemple ici? Non, ça ne me dit rien, fallait lire. Oscillator. Active daily ability allow you to lower the defense of a block. Ah oui, d'accord, ok, ça permettra de miner plus vite. Vas-y, si on fait ça, est-ce que 7 sur 10, très bien. Non, non. Ah, j'ai l'impression qu'il peut en tuer qu'un seul à chaque fois. Heureusement, bordel. Ok, nouvelle bestiole. Beaucoup plus de bestioles au passage. On spam les touches en bas à droite. Ça sonne pas bon! Ok, nice! Ok. Alors, à partir de là, tu vas me chercher un autre comme ça. Qu'est-ce que. Pourquoi? Un autre comme ça. Ok. Je sais pas ce que c'est que ça là. On dirait qu'il y a une espèce de gelée qui se met petit à petit. Mais arrête de tuer mes gens. Bordel. On va en faire un de plus, hein. Le prochain, ce sera un... un dégât, parce que... voilà. Parce qu'il est mort, le dégât. Et ouais, mon gars. Et ouais, dégât, même, puis-je dire. Dommage d'être un peu limité en nombre de... de carrés qu'on peut activer pour le fait de creuser, parce que c'est chiant à chaque fois de devoir redescendre, revoir un peu les trucs. Ok, on va remonter tout le monde. Par contre, est-ce que je peux mettre une autre tourelle? Ouais, très bien, parce que là, je me sens pas dans la sécurité la plus sécuritante, vous voyez. Ah ouais, les drones, par contre, ils peuvent vraiment aller haut, donc ça, c'est bon à savoir. J'attendais toujours que ça descende un peu, mais c'était peut-être pas utile. Le truc de drone... MVP de la game, bien évidemment. De toute façon, pas bon. On a perdu plus de la moitié de la vie. Et nos tours sont pas spécialement plus fortes parce que on est tellement occupé à faire des trucs en bas. Et je pense que eux gagnent en dégâts également. Donc attention à ça. Ok, ça passe, très bien. Allez, creusez-moi toute cette merde, s'il vous plaît. Putain, là, c'est en train de refaire des trucs à chaque fois. Je sais pas comment faire. Enfin, si, il est plus vite, monsieur, par exemple. Ah oui, pardon. Oh, c'est chiant, ça. Faut que je trouve qu'est-ce qui se passe. On va investiguer ici, hein, parce que... Allez, tu vas miner plus vite, stop. Peut-être ça, là, j'imagine, peut-être. Merde, j'ai plus du tout de soldier, là, donc c'est en train de me tuer tout le monde.
Ok, merci de la tour. Oups, soldier. Ok, ça c'est bon. Oh, il y a la même chose ici. Tu m'emmerdes. Allez vite, passez. Il faut impérativement qu'on se rajoute des tourelles à la prochaine journée là, parce que sinon on est mort. Si on passe cette nuit déjà, parce que j'ai plutôt peur de ça là tout de suite. Allez. 100 sur 150, ça voudrait dire que la mission s'arrête quand on est à 150 d'ailleurs, je suis en train de voir. Hein. La moitié des trucs, ok, mais ma vie, au secours. Au secours. Yes, c'est bon. Allez. Ah, oh, putain. Le temps qu'il va le faire, il va y en avoir un autre. Ah, oh, tu le saoules. Non, mais arrêtez de mettre quelqu'un d'autre, là. Faites un mec à côté à chaque fois. Vite. Ok. Oh, les débiles, quoi. Les débiles profonds. Putain, je fais que de perdre des gens. Comment tu veux que je crée des défenses si je fais que de perdre du monde? Déjà, si j'utilisais ça, on n'en serait plus là. Ça minerait plus vite, monsieur. C'est vrai. Ok, ça pue la merde, ça pue la merde, ça pue la merde. Est-ce qu'il y a un slot là? Ah, c'est les slots plus haut qu'il faut que je prenne alors. Ah, mais ça fait chier de ouf. Est-ce que j'ai vraiment le choix? Non. Vite, 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 vite. Ok. Au secours! Au secours, ils arrivent tous! Allez, 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 on survit, on survit, on survit, on survit. Putain, l'objectif, c'est de faire des défenses en plus, quoi. Chier. Ok, c'est bon, ça passe. On se rajoute un mineur, hein. Ouais, vas-y. Minez-moi tout ça, là. Ah, là, il y a des trucs de bave, là. Ne laissez pas faire. Ne laissez pas faire, au secours. Là, ça. Vite, les deux en même temps. Oui, oui, ouais, très bien. Ok. Putain. Explosive, small radius but huge firepower. Shoot explosive projectile, ok. Ok, ça a plus de range que l'autre, on va mettre là. Hein. Ah, les casse-couilles, c'est pas... Remontez, 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 c'est bon. Vas-y. Ok.
Ok, ça cible les trucs en plus de vie, j'ai l'impression. Allez, 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 on s'en sort bien, on s'en sort bien. On perd pas trop, trop de vie. J'ai pas non plus foufou, mais on en perd pas trop. Où ça court ? Ah mais là on peut les upgrade direct. Oh là là, il y a tout qui fonctionne pas de la même manière. Les casse-couilles. Allez, venez-moi ça en quelques secondes là s'il vous plaît. Vite, 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 faites un chemin. Arrêtez de faire le tour comme des demeurés, putain. Je crois qu'on peut obliger, ouais, genre voilà, si tu cliques deux fois. Hop, voilà. Ouais, c'est bon. Ah oh, putain. Ok. Ah, attends, il faut que je trouve le dernier truc à creuser là. Je sais pas où il est mais il faut qu'on le trouve. Ah oui, dès qu'il y a des yeux, en fait, c'est que c'est bientôt un ennemi. Donc attends, on va le prioriser, celui-là. On va faire une passerelle. Et on va faire un autre truc de drone là au-dessus, ça peut être intéressant. C'est le drone carrière. Je sais pas, je sais pas ce que ça va faire. Hop, vas-y. Ah, c'est un drone qui va ramasser, peut-être, carrière. Yes, ok. Ah, cool, intéressant ça. On va augmenter la vie de tout le monde. Un bar, parfait. Ok, on remonte vite, 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 vite. Okay. J'ai pas eu le temps de faire ce que je voulais. Enfin, jeu qui te laisse pas le temps. Mais au vu des différents bâtiments que j'ai choisis et le peu que j'en ai utilisé, tu sens qu'il va y avoir une énorme rejouabilité, quoi. Que vraiment, genre, vous n'avez rien vu pendant ce run, c'est vrai. Et tant mieux, ça donne envie d'en refaire d'autres. Surtout s'il y a des choses à débloquer entre les runs, encore une fois. Ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve trop bien dans les jeux. Okay. Allez, là, faut creuser. Hein. On a pas le temps de niaiser. Je sais pas ce que c'est, ça, mais... hop. Un truc de drone en plus. Ouais. Ah, ça doit être ça peut-être. J'ai perdu quelqu'un. Ah, ok, j'ai perdu un soldat. Ah, aïe 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 aïe. Oh, j'ai tout le monde, j'ai tout le monde. Allez, on y est presque. Ok, bah... Eh, vous savez quoi? On va rentrer tous à la base. Je sais pas s'ils se soignent quand ils sont là-haut. Non, j'ai pas l'impression. Non, je sais pas. Je ne sais pas trop... Allez, on donne tout. C'est pas le moment de mourir, là, on descend. C'est genre vraiment la nuit pourrie. Non, on veut pas mourir, ok? Allez, 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 on a plus beaucoup de vie en haut à gauche, là, mais c'est pas grave, on tient bon. On tient bon, putain. De bordel. Yes, allez, Telder. Allez, ça dégage. Ok, nice. 150 sur 150. Once you have reached the target depth, you can start the core and evacuate your connection to collect the more permanent resources. Ok, donc là en gros. En gros, on s'en va quand on veut quoi. On peut faire un max de ressources et on se casse. Ok, intéressant.
Bah c'est ce qu'on va faire, hein. C'est quoi? Hop. Je vois que la vidéo est bien assez longue pour se rendre compte que ce jeu est un gigabanger. Hop, on emmène les ressources. Trop bien. Ok. Ah oui, d'accord. Et bah... plus profond. Je m'attendais pas à ça hein, avec l'évacuation. Je m'attendais à ce qu'on sauve un peu plus de meubles que tout démolir. Mission success. Ok. Bah, évacuation d'XP, difficulté, ok. Vas-y, continue. Donc là, ce qui m'intrigue, c'est est-ce qu'il y a plusieurs missions différentes? J'imagine que oui, que ça va nous faire aller descendre de plus en plus bas. Et on a les upgrades ici, où il y a un peu de choix. Je dirais qu'il n'y en a pas tant que ça, pour le début. Je vais la première, The Guard Work at Night, Shift at Night, I will shoot. Bah, je la prends maintenant, je ne l'avais pas du tout. New branch of upgrade in a laboratory upgrade to increase visibility in the mine, heal worker and even repair the core. Ah, excellent, on va pouvoir se soigner. Ok, ok. Bon, ça fait pas énormément de choses, surtout quand tu vois qu'un run nous permet d'acheter autant de trucs, par exemple. Mais à voir par la suite. Et là, plateforme preset. Core engineer. Available in full version, ok. Menu role, ok. Ça nous montre les types de trucs qu'on va récupérer, très bien. Target, depth, 4x50 mètres ici, 3x50. Ok, putain. Ce jeu, j'ai pas fait gaffe quand est-ce qu'il sortait, mais en vrai, il a un potentiel de malade, je trouve. Il y a vraiment quelque chose de très intéressant là-dedans. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est Drill Core. Voilà, bah, wishlist on Steam, les mecs, hein, si vous avez envie de vous faire plaisir quand il sortira. En tout cas, la démo est gratuite, profitez-en. Je sais pas si elle le sera encore au moment où je sors la vidéo. Ça, c'est toujours un peu la question des démos maintenant. Elles sont passagères de temps à autre. N'hésite pas à me faire savoir toi ce que t'en as pensé, rejoins le Discord, abonne-toi, tu connais les bails, et on se retrouve dans les prochaines games, les prochaines vidéos. Allez, salut !